Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de rétention d'eau, surtout le monde enceinte. C'est un sujet qui est vraiment intéressant, comme d'habitude, sur ma santé. À chaque fois où nous faisons une nouvelle vidéo, à chaque fois où un sujet, c'est que c'est un sujet qui est intéressant et qui est authentique que nous portons pour vous. Eh bien, avant de rentrer dans le sujet, quittez nous montrer bien rapide qui j'en pour abonner à la chaîne. Ou aller là, ou à cliquez sur subscribe. Ensuite, ou activer cloche de notification si toutefois ou t'en remet au courant à chaque fois nous publier une vidéo. Mais si vous déjà fait partie de belle communauté ça, n'a pas dit bienvenue. Pas hésiter à quitter nous en commentaire pour nous envoyer une salutation bien spéciale pour vous. Sans plus tarder, n'a rentrer dans le sujet non pour aujourd'hui. 10 conseils pour réduire rétention d'eau l'air enceinte. Qui côté rétention d'eau ou bien qui ça qui cause la rétention d'eau pendant grossesse? L'eau constituée près de 60% dans poids corps. Corps a chargé naturellement pour réguler présence de l'eau, pour gérer répartition et pour éliminer par exemple via transpiration. Pendant grossesse, la présence de l'eau dans l'organisme a augmenté pour répondre aux besoins, pour répondre aux soins future maman ensemble avec tout bébé. Dans même temps, tout hormone fait travail pareil. Progestérone perturbé retour veineux, circulation sanguine fonctionne moins bien que d'habitude et puis sans lui même l'alchita yon côté li ou bien li mal pour circuler et ça qui kon la cause de l'eau yo moins bien éliminé dans corps. Au cours du troisième trimestre là, phénomène rétention de l'eau a accentué. Utérus là a prend plus proportion, c'est-à-dire la bin plus gros. Ça qui cause les comprimés 24 yo. Gros 25 yo gen pour mission pour faire remonter sang dans membre inférieur pour l'aller dans cœur. Les sang a bien pour le retourner, li vin moins efficace parce que l'eau pral chita dans jambou, dans cheville ou ak nan pied yo. Et bien on ka deviner res la, c'est que rétention d'eau vient faire apparition et devient plus important que d'habitude. Rétention d'eau traduit par gonflement dans le corps ou bien côté le chita, une sensation lourdeur ou inconfort. Ou qu'a remarqué également que peau l'air que ou appuyer droit tout côté qui gagne dans zone qui gagne de l'eau, ou qu'a remarqué que droit tout rester ou soit il fait un trou. C'est comme si ndazo ou pesé sur un sachet de l'eau. Eh bien c'est normal parce que c'est là de l'eau à stocker colle. Rétention de l'eau c'est un problème qui fréquent kay femme enceinte. Li ka engendrer inconfort ak sensation lourdeur, li capable disparaître après accouchement bien sûr. Si rétention de l'eau accompagnée de douleurs importantes ou bien y a évolué rapidement, il convient pour consulter sans tarder un médecin parce que douleur ça yo capable symptôme l'autre pathologie tant qu'au phlébite ou bien pré-éclampsie qui vraiment redouté kay femme enceinte. C'est aussi un monde qui fait rétention d'eau pendant grossesse ou doit connaître que c'est toutefois possible pour limiter ampleur phénomène ça et pour réduire sensation inconfort ça yo l'eau adopter des gestes simples dans quotidien. Eh bien mes 10 conseils nous porter pour vous pour réduire rétention d'eau pendant grossesse.
Et mes amours, avant nous bon conseil ça yo, n'a dit merci à chaque monde qui te prend le soin, qui prend le temps pour garder vidéo nous yo. Merci, franchement merci pas suffit et n'a mandé si ou t'a aimé communauté ça grandi, si ou t'a aimé nous porter plus en contenu informatif pour pas négliger partager vidéo nous yo, parce que à chaque fois partager vidéo nous yo, non seulement ou aider nous grandir ou aider channel la grandir en même temps tout et ou aider un monde soit qui t'a cherché des conseils naturels ou bien des astuces sur un sujet comme ça ou aider découvrir ça plus rapidement. Et bien premier conseil nous porter pour c'est bouger. Bien sûr, il n'est pas question pour pratiquer sport violent ou bien traumatisant comme tennis, course à pied jusqu'au terme, mais il recommandé pour gagner une activité physique qui douce pour stimuler circulation sanguine et pour mieux drainer toxines et liquides. Marcher par exemple, c'est un sport idéal parce que c'est une activité non traumatisante qui ka pratiqué dans tout stade grossesse là. Natation tout j'en nous te dit ou li dans première vidéo nous te publié sur grossesse. C'est un très bon choix parce que li pap supporter poids corps pendant effort ça et l'eau agit comme un mini massage tout. Par exemple nager ou faire ou bouger bras dans l'eau pour ka éviter problème d'eau ou pour pas aggraver. De manière générale, ou de garder dans tête que position debout statique ou de éviter position assise jambes croisées tout n'est pas vraiment bon pour circulation sanguine. Deuxièmement, masser ou bien bailler monde masser sans modération. Pour activer circulation sanguine et pour réduire rétention d'eau, il y a rien qui plus bon que massage. Gagne institut ou kinésithérapeute qui ka proposé un massage drainant tout à fait adapté à condition femme enceinte. La caillou tout ou ka prend habitude pour masser jambes matin et soir, ou va commencer par pied et puis ou va remonter dans toute hauteur corps pour ka activer drainage là. Gagne en pile produit tout ou ka utiliser sous tout corps tant que lait corporel qui fait pour ça et l'huile sensorielle ou a trouver sur internet là ou soit dans store ou bien dans shop pour visiter yo. Yo vraiment bon tout pour éliminer vergeture dans corps. Troisièmement, porter bas. Les ou gen jambes gonflées à l'eau. Ou toujours gen un sentiment d'inconfort et ou pas jamais envie porter chaussettes ou bien bas dans pied ou parce que ou trouvez que li vraiment nuit ou. Pourtant bas yo c'est un bon allié pour yon futur maman qui fait rétention d'eau parce que yo activer retour veineux et yo limiter phénomène gonflement. Gen bonne nouvelle, gen bas qui fait spécialement pour ça, il y aurait les bas de contention. C'est une nouvelle génération dans bas ça yo qui esthétique et qui confortable que ça qui te gla en vent yo. Ou capoter autour en toute discrétion. Et bien pour joindre accès avec gens de bas ça yo, parler avec médecin là ou bien avec sage-femme ou pour les et bon yon marque ou ka acheter ou ka joindre facilement. Quatrièmement, boire un peu d'eau. Ça son bagay ki normal, le ou souffre de rétention d'eau ou toujours gen plus tendance boire moins d'eau. Et pourtant, c'est yon mauvais choix ou fait parce que le ou consomme moins d'eau, li gen difficulté pour si bébé a joindre assez liquide amniotique parce que l'eau a vraiment stabilisé liquide amniotique là. Et bien, il est vraiment important pour boire au moins 1 litre et demi d'eau par jour pour qu'a fait sang circuler dans organisme et pour qu'a drainer toxines. Yon bonne hydratation tout à limiter surcroît à risque infection urinaire.
li a aidé à bon développement bébé a pendant grossesse là. L'eau avec tisane ou supposé boire ça yo à volonté. Et si ou a kou ou bien si ou reme café ak te en pile, li pral malheureusement ou pral obligé malheureusement réduire consommation boisson sa yo parce que yo tous les deux kembe dlo nan kou. Cinquièmement, pas porter vêtements serrés. Si ou souffri de rétention d'eau ou de faire quelques petits ajustements nan garde-robe parce que l'eau porter vêtements qui trop serré, li comprime vein yo et li entrave circulation sanguine. Au contraire, vêtements qui confortable favorise yon bon circulation. De même, chaussures ou bien souliers à talons hauts, li pa fait pour le ou enceinte. Eh bien, bonne nouvelle qui gen nan tout ça nous dit là, c'est que après accouchement ou ap ka reprend yo. Donc fè yon ti depose yo nan armoire ou et puis après accouchement ou reprend yo. Sixièmement, surélever jambes. Si vous sujette à faire rétention d'eau pendant grossesse, vous supposez toujours surélever ou bien lever jambes, mettez la en hauteur dès que possible pour activer circulation. Mais c'est une bonne raison pour allonger sur un canapé avec un coussin sous pied ou capable également tout lever matelas à un niveau pour favoriser une bonne circulation sanguine pendant la nuit lors de dormir. Septièmement, attention à sel ou à consommer. Il n'est pas question pour supprimer totalement dans l'alimentation parce que il gagne en effet des oligo éléments importants, mais il convient tout pour faire attention à quantité ou absorber dans sel parce que sel là c'est premier bagage qui favorise rétention d'eau. Plein industriel yo tant que fromage, biscuit ou bien petit bonbon sel, li vraiment important pour consommer yo avec modération. Huitième, fais attention avec alimentation. Glucides tant que du riz blanc, pâtes, pain, yo favoriser rétention d'eau. Privilégiez plutôt pour aliments qui faibles en indice glycémique et ou ka opter pour alimentation qui fait avec fruits et légumes, en particulier ça yo qui riche en potassium. Yo essentiel et yo bon pour fonctionnement rein. Potassium nan diminue taux sodium nan kwa et li aide ou à éliminer à augmenter production urine. Parmi aliments qui riches en potassium, n'a cité quelques pour, c'est asperges, artichauts, choux, patates douces, épinards, poireaux, avocats, bananes et mango. Ou gagner en pile choix dans liste nous so di ou la yo et c'est pas bagaille qui trop cher. Neuvièmement, dormir sous côté gauche. Le dormir sous côté gauche, ça permet de limiter la compression dans la veine cave. Qui, pour nous rappeler, qui situe sous côté droit corps. Sans parler plus facilement pour lui ramener vers la partie supérieure corps. Et on pral alimenter tout pi bien placenta avec sang ensemble avec fœtus là tout. 10e bagaille en au café c'est prendre douche froide bien connu pour activer circulation sanguine. Ou pas besoin inquiéter, li pas question pour passer dans une douche glacée pour tendre yon bébé. Après douche, ou ka pense simplement à passer yon ti jet d'eau froide sou jambou pendant 30 secondes pour stimuler retour veineux. Non d'accord, c'est pas un bagage qui toujours agréable
pour et efficace pour mettre de l'eau froide sur l'heure ou enceinte. Mais l'air ou seulement vide un petit de l'eau froide sur pied, ça vraiment important pour désenfler pied. Ou comprendre tout ça, nous se dire là yo l'air ou pratiquer yo et ou après résultat sur physique et pour petit bébé là. Ça a vraiment bon. Eh bien, tout ça nous se dit là, c'est adopter une bonne hygiène de vie, une alimentation saine avec l'autre geste qui va permettre pour diminuer le gonflement et la sensation de confort pendant la grossesse. Là. Qui cerise sur le gâteau, mes amours, est très bénéfique à, pour la croissance du bébé ou là. Eh bien, c'est là nous mettons en bout à vidéo pour aujourd'hui. Hein. Nous espérons que les utile et que la ou bien la très utile pour même capoter un petit bébé ou bien si vous avez une famille, un ami, capoter un petit bébé et pas oublier partager vidéo ça, quitter un like pour nous, commenter mes amours pour nous dire nous qui ça nous t'a aimé nous porter parce que nous toujours aimé interagir avec communauté pour nous connaître qui comment pour nous satisfaire ou bien avec qui ça pour nous venir pour nous satisfaire chaque grand monde en particulier. Merci d'être resté jusqu'au bout. Nous disons à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.